Là, aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. J'ai contacté une membre du club de Like Influence, Shanna. Elle, sa chaîne YouTube, c'est, elle fait découvrir des nouvelles choses aux gens. Et hier, dans le fond, on se creusait le ménage pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui comme collaboration. Et on a décidé, en fait, je lui ai proposé de m'amener quelque part sans que je sache chez où. J'ai aucune crise d'idée, je vais en faire quoi aujourd'hui. Fait que c'est assez. c'est ça. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'on s'en va. On va bouger un peu, j'imagine, parce qu'elle veut que j'amène du linge de sport. Peut-être faire du yoga. Peut-être faire. Je sais pas. Peut-être deviner. Si c'est du monde qui veut le commenter et deviner avant que je le fasse, vous pouvez le faire dans la petite boîte en dessous. Fait que on y va. C'est au Tim Horton avant de. D'aller dans un endroit secret dont je ne sais la localisation et tout ce qui est aujourd'hui. C'est un peu trop gros. Tu viens de manger? Bonjour, je vais prendre votre commande. Ben, t'es-tu en C1? Oui. Ok. Parce qu'il n'y a pas de son, mais ça fait chier. On est arrivé chez Shanna. Ouais. Ok. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire. Mongo! Mongo! J'ai manqué. Tu sais, je t'ai parlé avec mon amie qui te ressemblait. Ouais. Mais ben, tu habites à Saint-Jean, mais genre, elle a un appartement qui est le même. Genre, il est comme. Pour vrai? Ouais. En fait, je te dis. Ben, c'est pas pareil, mais je dis en sorte que comme. C'est puré, là. Oh, ouais. Ouais, moi, j'aime ça quand que. On va tester ses lumières parce qu'elle vient les acheter, puis on va voir si c'est bon. Faut que tu fasses attention aussi, ça peut exploser. Ben non. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Ok, c'est nice. Je fais un test. Mais est-ce que tu Dell ça? Je pense pas, hein. Du Dell. Est-ce que tu vois des lignes comme. Non, mais. Non, je pense que c'est pas du Dell. Parce que la première avec le Dell. C'est du Dell. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que la première avec du Dell, là, c'est que quand tu filmes avec une caméra, vu que les diodes, là, c'est comme. C'est un clair intermittent. Dans une caméra, à l'œil nu, tu le verras jamais, là, mais une caméra. Tu vas le capter. Genre, tu vas voir, tu sais, les lignes là que c'est à cause du Dell, ça. Ah ouais, ouais. Ok, je sais un peu. Fait que j'ai la. Ouais, ben c'est que tu vas mettre. Regarde, mets-toi devant là. Moi, te. Ok. Qui se boit? Hein, je me sens éclairé. Ouais. Ben c'est beau là, c'est. Ça, c'est bon justement pour faire comme plus des vidéos de make-up ou tu sais, de visage là. Mm-hmm. Des softbox, c'est vraiment bon pour éclairer littéralement une pièce là. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté les softbox. Ouais. Okay, ouais. Un peu pour mes vidéos, mais. Ouais. On pourrait se présenter, on s'est même pas présenté. Ouais! Et peut-être tu filmes? Ouais, je pense que ouais. Ça ne tiendrait pas à caméra. C'est un peu logique. Fait que. Ben, c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est contacté, quoi. Ben, hier, en fait, tu vois, c'est hier que j'étais inclus dans le groupe. Ouais. Parce que j'ai parti du club, ben, pas mal de monde le savent, j'en parle beaucoup de Like Influence. Puis j'ai contacté hier à cause de Caro. Oui. C'est ça. Puis on s'est parlé hier au téléphone, puis là, je me suis dit, crime, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Fait que je vois, ben j'avais des trucs à faire, mais je dis je veux filmer du contenu. Fait que là, je l'ai contacté pour qu'on fasse de quoi, parce qu'elle, sa chaîne YouTube, je vais mettre le lien dans la description, mais elle a fait découvrir des nouveaux trucs aux gens par rapport à. Je sais pas si tu tout ce qui est dans santé, dans le fond. Okay. Que ça soit des centres de yoga, des gyms, des gens, des coachs, des thérapeutes. En fait, tout ce qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui reste dans le thème santé, mieux-être. Puis hier, en plus, j'étais comme je la contacte, je voulais. Tu sais, je voulais me mettre en forme là, parce que ça fait un petit bout que je me suis pas entraîné. Là. J'ai un abonnement au gym, mais il manque peut-être la motivation. J'ai du temps, mais j'ai pas de motivation. Fait que là, je l'ai contacté pour peut-être me donner des trucs, voir. Puis si jamais ça fonctionne, mais vous allez pas vous référer à elle parce que. Mais si ça fonctionne pas, mais faites-le pas. Non. Non, c'est pas une blague. Mais honnêtement, c'est, pour elle, faut pas mettre ça sur la faute de la partie. Je veux dire, la personne, elle va donner des trucs, des clés pour peut-être. Pas une sens se motiver, mais se donner une motivation. Ouais, c'est ça, exact. Mais la seule personne qui peut vraiment contrôler ça, c'est soi-même. T'sais, si elle veut la rencontrer, puis là, elle donne des trucs, puis que tu l'appliques pas, ben, c'est pas de sa faute à elle si tu vas pas au gym. Je veux dire, c'est pas une magicienne non plus. Là. Non. Fait que. Ouais, ah oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, on va aller découvrir un nouvel endroit. Là, elle m'a dit d'amener mon linge. De sport. Fait que, ouais. C'est ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis genre la personne souvent qui organise des trucs. Ok? Je suis genre la personne qui va comme leader le monde vers quelque chose. Là, sérieusement, je pense que c'est une première. Là. J'ai jamais fait ça. Yeah.
Yes, on aime ça, les photos. Ouais, fait que ça va être cool. Fait que, puis là, il y a mon frère. Je fais mon frère. Lui. Enchanté, là. Frère, c'est quoi son nom? Car. Il filme pas souvent, mais des fois, il va filmer. Là, je vais essayer de trouver un petit job, là. Comme Dias, s'il aime ça, là. Ouais, parce que j'ai besoin, moi, de vivre seulement, puis je vais pouvoir le payer, là, quand je vais prendre de l'argent avec ça. Ah ouais? Ah ouais, tu vas me payer? C'est bon. Sur caméra, tu l'as enregistré. Ouais. payer avec le donneur. Il conne où, mais je me sens que t'as une porte. Oh, mais j'entendais que c'est grave. Salut, Kevin. Salut, Kevin. Enchanté. Je pensais que c'était genre... Salut, parce que l'autre jour, mon bonhomme en bas, il a cogné au plafond. Fait que je pensais que c'était ça. Ben, genre lui, c'est son plancher. On s'en va? On est prêts? Oui. C'est-tu loin? Non, vraiment pas. Ah, ça fait peur quand c'est pas loin. Fait que, en fond, tout le monde dans la pièce sait où est-ce qu'on s'en va, sauf moi. Je me sens comme si c'était ma fête, mais tu sais. Surprise! Ouais. Sauf qu'on va pas au restaurant. C'est clair qu'on va faire du yoga, je suis sûr que c'est ça qu'on va. Non. Avec... Je te donne pas plus d'indices. Ouais, c'est pas vraiment un indice, de dire que c'est pas ça. Denis, c'était quoi finalement? Je guessais de quoi vraiment le random. Là, je vais aller voir qui est en train de faire du ménage dans son whatever, je sais pas trop là. Puis j'ai dit que j'ai demandé si c'était l'escalade, puis elle me dit, elle me regarde avec une face comme de surprise. Et elle me dit, ben, c'est quelqu'un qui te l'a dit? Je suis comme, non, mais toi oui. Je me suis tout dessus. Ben, j'aime ça l'escalade, hein? Ouais. Ouais, j'ai battu mon record, j'ai monté un mur en genre, je pense que c'était 9 secondes. Ah ouais? Ouais. C'est cool. Yes! Bon, là, je suis content de voir. T'avais peur, ça te va quoi? Je sais pas, si, j'ai aucune idée. Moi, j'aime pas ça, mais j'aime pas ça, surprise. Comme je te dis, j'aime ça avoir le contrôle. Oh! Quand je sais pas où je vais. Contrôle. Je connais pas, peut-être c'est un trick, là. Dans le fond, c'est même pas l'escalade, là, à un trick. Je connais pas, je sais pas si c'est vrai. C'est pas vrai, là, tout le monde embarque dans le jeu parce qu'ils pensent que c'est ça, mais dans le fond, je m'en vais faire du yoga. Chaud. Du yoga chaud. Tu sais bien ça, c'est ça comment. C'est ça qu'on va faire, du yoga chaud. Avec la vapeur pis tout. Avec la vapeur? Ben, c'est sûr du yoga chaud, il y a de la vapeur, non? J'ai jamais fait ça. Non, c'est juste qu'il fait vraiment chaud dans ma pièce. Ah, ok. Il n'y a pas de vapeur? Non. Moi, je pensais que c'était genre le monde qui faisait du yoga, pis t'avais genre plein de steam partout qui sortait, hein, pis t'étais comme un. Après, t'avais juste que je chauffais là. Ouais? Non. Non, mais. C'est ouais. Tu penses que non? C'est pas ça, finalement. J'en avais déjà fait une fois. T'es arrivé au GMX à Saint-Jérôme. Je sais pas si c'est un truc d'escalade pour ouvrir, mais ça va être cool. On va bouger. Tu veux que je dis? Ouais, dis-le au monde. Ok, fait que là, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais y apprendre comment faire des backflips. Puis pour vrai, là, c'est genre quelque chose que je voulais apprendre depuis très très longtemps. Je trouve ça vraiment nice. On va apprendre à faire un backflip, puis c'est vraiment hot. Je vais même changer, puis après ça, on va aller sur le terrain de jeu. Faire des backflips. Sais-tu où, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas apprendre ça? C'est-tu une place? Ouais, on va aller sur le crampo pour commencer. Ok. Après ça, moi, je vais faire sur le flat. Je regarde de faire ça sur un flat. Ok, mais là, t'es fou, là, en une journée. Ah, ben, on va checker si t'as un bac de mousse. Au moins. C'est bon. Ah, moi, je te dis mon challenge, là. C'est de réussir à faire un backflip en une journée sur le flat. Ah, il est malade. Puis si je réussis, non, en fait, je sais que je vais réussir. Ouais? Je vais visualiser que je vais réussir. Visualise fort. Ah, si tu me pètes la gueule à chaque fois, je visualise. Mais regarde, au moins, je vais te montrer comment, genre, protéger ton cou, fait qu'au moins, tu te rends compte. Moi, je mourrai pas, hein. J'ai pas ma carte d'assurance maladie, en plus. Bon, fait qu'on va changer. Hey, imagine-tu, je suis capable de faire un backflip pendant une journée, là. Pour vrai, ça serait mon... C'est la vie. Je peux faire les muscle-ups, par exemple. Avec les barres là-bas. Je suis pas capable encore, là, mais... Pour le moment, je suis capable de faire les muscle-ups. Avec les barres. Ouais, mais je suis pas très bonne. Mathieu, ma femme! Oh! Ah ouais, Kev, comment? Allons. Tu l'es pas? Moi, je suis allé chauffer sa son cou, ça allait chauffer. Ouais.
Ok, donc là c'est l'exercice numéro 1. Dans le fond, la première étape pour apprendre à faire un backflip, ça va être ça, ok? Tu vas venir ici sur la tempo. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te coucher sur le dos puis revenir debout. Comme ça, parce que dans le fond, tu veux te pratiquer à aller te coucher sans avoir peur de te laisser tomber vers l'arrière. C'est ça les premières étapes. Au début, on a peur d'aller vers l'arrière. Fait que commence avec ça, il y aura ce changement. C'est quoi, ça fait genre 30 minutes qu'on essaye? Ouais, 30 minutes. En 30 minutes, il a été capable de faire les deux premières étapes. C'est quand même dur à faire. Mais ouais, il a pu rester ici une journée complète. Ah ouais, vraiment, moi je pourrais passer 4 heures. Je t'ai louvré une journée complète, puis on reviendra une prochaine fois, là. Ce sera une partie 2 du vidéo. Mais pour vrai, on va revenir, là, parce que je veux vraiment apprendre à faire des backflips, puis on va le faire bien. Hein. Belle expérience, ça prend pas de signe ici. Oui. Ok. Ah, bien, tiens la main, t'es là pour ça. T'es là pour ça. Pour vrai, c'était vraiment hot. Ouais. C'était cool. Toi, t'es la première fois si tu venais. Ouais, ça prend un peu. Puis, t'as aimé ça le parcours? Ouais, c'est vraiment cool. Puis, honnêtement, on s'attendait pas à faire ça. On s'est venu pour faire quoi d'escalade? Ouais. Escalade. Escalade. Un peu de trampo, ça, je l'avais vu, mais faire du parcours, je l'avais vu. Non, mais c'était cool. Puis, tu sais, le gars, en plus, il nous coachait comment le faire. Puis, non, on va revenir pour vrai, pour venir avec l'équipe. Ah oui. Je vais montrer ça au vidéo à la gang, là. Puis on pourrait revenir peut-être genre comme première activité. Un samedi, là, ça serait vraiment hot. Puis on pourrait s'arranger peut-être pogner un coach, genre, puis le gars qui reste avec nous, puis ouais. C'est cool. Fait que là, on va, nous, qu'on décolle bientôt. Ouais. Parce qu'il faut que j'aille monter une vidéo, puis après ça, ben. C'est ça. T'embauches pas avec ta date. Ah. C'est ça, ça va faire. T'embauches pas. Fait que, genre, on va se dire bye tout de suite, puis. C'est vraiment une belle journée. C'était cool. Vraiment, sortez de votre zone de confort. Sortez, essayez de rencontrer une nouvelle personne parce que ça peut vous amener à faire vraiment des trucs vraiment cool comme ça. Parce que justement, je serais pas venu ici si ça avait pas été de Chanel, on s'entend. Fait que, bonne soirée.